Est-ce que tu es prêt, Kenta? Oui, monsieur. Hikaru devrait être en train de se diriger vers le Bay-Park où se trouve Jinga. Tu vas t'arranger pour l'intercepter avant qu'elle n'arrive ici. Alors c'est bon, tu as compris, petit? Oui. Tu n'as pas encore trouvé une façon infaillible de battre Hikaru. Mais peu importe ce que ça te coûtera, tu vas gagner. Gagne et deviens un homme, Kenta. Esprit combatif, esprit combatif, esprit combatif, esprit combatif. Bonjour, Kenta. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Qui m'a parlé? Motoka. Tu penses venir au Bay-Park aujourd'hui? En tout cas, tout le monde m'a demandé de tes nouvelles, tu sais. En fait, tu sais, je dois toiletter mon chat aujourd'hui parce que Froufrou est sale. Hein? Tu as un chat? Avant que tu ne partes, j'ai quelque chose pour toi. Et voilà. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est un boulon de métal. Un boulon de métal? Oui, j'ai essayé de fabriquer un nouveau boulon pour Sagittario avec du métal. En augmentant le poids au centre, la rotation d'une toupie devient plus stable. Tu me suis? C'est donc parfait pour une toupie d'endurance comme Sagittario. Et sache qu'il donne plus de poids à tes attaques et rend ta toupie plus équilibrée. Donc, elle peut repousser plus facilement les attaques de ton adversaire, tu comprends? C'est une pièce fantastique qui compense de nombreuses faiblesses des toupies d'endurance. Ça alors, il a... Teste-le quand tu auras toiletté ton petit chat. À bientôt. Elle t'a offert un boulon de métal. Je n'en ai jamais vu de cette sorte. Il y a vraiment autant d'avantages. C'est époustouflant. Oh, mais c'est vrai! Le poids de Sagittario a totalement changé! Très bien! Maintenant que tu t'es suffisamment préparé, Kenta, en route pour le duel! Oui! Merci, Madoka. Je suis certain de gagner maintenant que tu m'as donné ce boulon de métal. Est-ce que tu crois qu'il va s'en sortir? Je l'espère. Mais quoi qu'il arrive, ceci est le combat de Kenta. C'est quelque chose qu'il doit faire sans nous. Je me demande seulement quel genre de blader est son adversaire. Qui a bien pu rendre Kenta aussi sérieux? Et si nous allions le découvrir? Avec joie! Je serai le témoin de ton duel. Mets toute ton âme dans ce combat, Kenta. Tu sais que je le ferai. Aucune retenue. Cette fois-ci, je ne peux absolument pas perdre. Très bien parlé. J'adore quand il y a de la bagarre dans l'air. Ça me motive, Dark Bubble. Voilà mes petits crabes. Où ces deux crabes rivaux peuvent bien aller avec tant de hâte? Oh, où est-ce que tu te caches? Là-haut, crabe. Oh, regarde, c'est Tetsuya Watarigani. Ne me dites pas que ce petit aspirant Jinga retente sa chance. Clac, clac. Ainsi, tu as l'intention de combattre Hikaru une fois de plus, alors que c'est Benkei qui l'avait recruté. Oh, comment as-tu découvert notre plan? Mais le crabe, c'est toujours tout. Oh, alors c'est toi qui es allé en parler à Hikaru, cette affaire ne te regardait pas. Je n'ai fait que lui dire la vérité, crabe énervé. Mais t'associer à ton ennemi? Je parle du gamin, ça c'est une trahison, clac, clac. Ça suffit. Je serai celui qui vaincra Jinga. Mais je déciderai où et quand, et tu n'as rien à en dire. Mais ce garçon mérite une revanche en bonne et due forme, et je vais m'assurer que ça arrive. Benkei. Tu sais, je ne suis pas vraiment un grand fan de toutes ces histoires d'amitié idiote. Ça me donne l'impression de baigner dans la sauce huître. Je vais lui prendre sa toupie parce qu'elle a été ramollie par tous ces discours idiots sur l'amitié. Et je vais la couvrir de rayures, sinon je n'arriverai pas à dormir dans ma coquille ce soir. Non, attends. C'est moi qui vais t'affronter. Quoi? Kenta, tu as un adversaire à combattre en duel. Va-t'en et termine ce que tu as commencé. Dark Bull et moi, nous allons nous charger de son cas. Merci, Benkei. Pourquoi tu veux réellement me combattre, crabe? Dark Bull, lorsqu'un homme a décidé de combattre, personne ne peut s'interposer. Dark Bull. C'est encore toi. Écarte-toi de mon chemin. Hors de question. Encore une fois. Affronte-moi en duel une dernière fois ici et maintenant. Allez, s'il te plaît. Je ne m'intéresse pas aux adversaires médiocres. Le seul adversaire que je veux combattre, c'est le véritable Jinga Agane. Je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir menti lors de notre rencontre. Mais j'ai tout mis en jeu en combattant contre toi en tant que Jinga et j'ai tout perdu. Absolument tout. Mais je ne suis pas un dégonflé et j'ai besoin d'une dernière chance pour gagner. Je m'appelle Kenta Yumiya. En remplacement de Jinga Agane, Hikaru Azama, je te défie à un duel Beyblade. Tu n'apprendras donc jamais. Mais puisque tu insistes, parfait. Tu me serviras d'échauffement avant le véritable duel. Attention, j'arrive, imposteur. Il perd.
puissance a beaucoup augmenté depuis notre dernier combat. C'est intéressant. La stabilité de Sagittario est extraordinaire. Ça doit être grâce au nouveau boulon que m'a donné Madoka. Je parie que je peux gagner maintenant. Ce n'est pas parce que ta puissance a augmenté légèrement que tu peux t'imaginer que tu vas me battre. Hein? Elle a disparu. Je sais que ce mouvement provient du changement de la pointe de performance. Si j'arrive à la viser au moment où elle disparaît... Là! Vas-y! Oh non! Elle n'y arrivera pas! Ex-Aequo! Pendant une seconde, il m'a semblé que Sagittario s'était élargi. Les griffes dont m'a parlé Madoka... Les griffes cachées autour de l'axe de rotation se sont ouvertes. Oh, wow! Eh bien, tu t'es énormément amélioré en très peu de temps. Hein? Mais il me reste encore un coup spécial à utiliser. Réglons ça une fois pour toutes. Prépare-toi! Je vais m'occuper de ton cas! Kenta! Tiens bon, surtout! J'ai promis d'assister à ton duel. Je ne te laisserai pas tomber. Je refuse de perdre mon temps avec cette espèce de parasite! Attaque suprême du taureau! Qu'est-ce que c'est, Crabbe? Mad-Gasseur! Ah! 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 En plein sur la carapace, Crabbe! Kenta, j'arrive! Ah! Crabbe! C'était un coup de chance et rien d'autre, gros tourteau! S'il ose s'imaginer que je suis cuit, il fait une gravement grave erreur. Petit crabe, petit crabe, clac, clac, clac. Le coup spécial, Hikaru en a un alors que je n'ai toujours pas trouvé le mien. Mais peut-être que je peux en créer un en utilisant le boulon de métal que Madoka m'a donné avec un Sagittario plus stable. Et la puissance que j'ai acquise en m'entraînant avec Benkei, je peux utiliser les griffes cachées autour de l'axe de rotation pour créer mon propre coup spécial. Trois. Je suis certaine que tu peux le trouver, Kenta. Deux. Le Beyblade est une question d'esprit combatif. Un. C'est la sensation du désir de gagner. Hyper. Multi-attaque d'Aquario! C'est déjà la fin de la partie. Le Beyblade est une question d'esprit combatif. C'est la sensation du désir de gagner. Bulbert, Sagittario, vas-y! Défier des adversaires puissants sans jamais abandonner. Pour finalement gagner. Esprit combatif! Esprit combatif! Esprit combatif! Esprit combatif! Tu t'es vraiment bien débrouillé, Kenta. Alors, tu penses que le boulon de métal que j'ai fabriqué t'a été utile? Jinga! Madoka! Jinga! Alors c'est lui? Il m'a été d'une très grande aide. J'ai remporté la victoire un peu grâce à vous trois. Jinga, Madoka et aussi Benkei. Nous avons tous gagné ensemble. Mais comment avez-vous su que je me trouvais ici? Mais enfin, c'est élémentaire, mon cher Watson. Hikaru s'en va. Hikaru, oh. Ça y est, c'est terminé, Kenta. Comme je l'ai promis, j'ai assisté à ton combat. Dès maintenant, nous redevenons ennemis. C'est comme ça que ça doit se passer, petit. Non, Benkei, pourquoi? Tais-toi. J'ai une bonne raison de devoir vaincre Jinga et je suis certain qu'elle ne disparaîtra pas. Quelle raison? Écoute-moi bien, Jinga. La prochaine fois qu'on se verra, je te vaincrai définitivement. Ah ouais? Bonne chance parce que je ne suis pas malade. Viens me trouver quand tu voudras. N'oublie pas ces paroles. Parce que moi, je le ferai pas.
Mais enfin, Bunkai! Laisse-le partir, Kenta. Venez, je vais vous faire un gâteau pour fêter le fait que Kenta a créé son coup spécial. Qu'est-ce que vous en dites, les garçons? D'accord. Super! Vive les gâteaux! Oh, salut, quoi de neuf, les gars? Ne nous sors pas quoi de neuf comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui a bien pu te passer par la tête pour traîner avec nos ennemis pendant que Kyuya est absent? Tu nous as trahis. Attendez une seconde, je ne faisais que... N'essaie même pas de te justifier, Bunkai. Nous ne pouvons plus te faire confiance parce que tu n'es qu'un sale traître. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as pris un coup sur la carapace, Crabbe? Je veux bien te pincer, mais tu ne rêves pas. Watarigané! Oh, j'aurais dû garder le secret plutôt que de raconter à tes amis ce que tu faisais. Oups, l'amitié et les copains sont des petites choses fragiles comme les coquillages. Crac! Crabbe, 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 crabbe! Espèce de sale crabbe! Disponible sur le canal 18 de la TNT gratuite. Well, it's a big show.